My name is Farah Peluso. I'm an artist designer and I'm based in Berlin. My artistic and design research is mainly focused on living organisms like algae and to study relationships between them and human beings. Je m'appelle François, je travaille actuellement sur les instruments à dessin. J'ai eu l'occasion de faire des études à la Cambre, des études de dessin, qui m'a permis justement de poursuivre des recherches sur les instruments et surtout à cette période-là sur les machines. Ici, l'instrument est monté sur, pour expliquer un point de vue technique, sur deux axes. Et puis il va se déplacer en fonction des mouvements, en fonction du relief, en fonction des montées, des descentes. Now I'm here to research near the area nearby Namur and to discover which algae are living in these water ecosystems and to develop an artistic project. I decide to work with algae in general because I think that the existence of human beings is straightly connected with this organism. They started the life on Earth, so we are here today also thanks to them because they contribute to produce the oxygen that we breathe every day. Les instruments ici sont directement activés par le sujet. Ils s'engagent directement avec les forces, avec l'environnement, le climat. Ils s'engagent là où l'instrument s'implique. Donc le sujet devient finalement co-auteur du dessin. La recherche commence par là, le fait de sentir, ressentir quelque chose, et que finalement, à partir de ça, de pouvoir le documenter, de chercher, de mettre en place, de construire, de revenir, de refaire, de recommencer. Oui, d'avoir cette chose qui vient à vous et qui finalement est la version finale d'un certain nombre d'essais de recherche. I come here and attack the textile and I shape the textile in the same form of the typography. The experiment is to have the pigments from the liquid state on the textile, so also part of the topographic landscape will be colored from the algae pigment. This project for me is important to talk about the building of common memory of people concerning the climate changing and how important is the memory for all of us to understand future evolutions. It's also, of course, important for me to show this material how it's able to change its phase. So it's quite poetic to see how the pigments are able to decompose themselves and in different colors. Il s'agit donc d'abord d'un plateau qui est attaché à la cime des arbres par les moyens de cordes, de cordage. Et donc ce plateau va être emporté en fonction des forces qui va jouer sur la forêt et sur les arbres. Après, le stylet, lui, sera plutôt attaché au tronc, donc il va être statique, pour vraiment arriver à attraper tout le mouvement du plateau. I'm more interested to open the research of science to public. I don't think to want and to be able to to influence the scientific research. For me, the scientific research is a huge inspiration. À la suite de cette résidence, j'aimerais poursuivre donc des projets autour de la notion de machine et d'automatisation pour pouvoir développer des nouvelles images aussi dans le temps et dans la durée. I think that the speculative approach is very important to raise critical questions and to understand how to visualize the future or how to solve some problem related with the contemporary condition in the next future.